Et bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de The Tycoon en mode campagne. On avait fait tous les didacticiels là jusqu'à maintenant. Donc aujourd'hui, on va commencer nos premières missions. Soyez en formation avec nouveaux arrivages. Alors, c'est facile, difficulté facile, t'as de la carte petite. Vous allez avoir la chance de reprendre la direction d'un petit zoo, mais vous devez prouver que vous comprenez les besoins particuliers des animaux en matière de biome. Veillez à ce que chaque animal soit placé dans l'enclos qui lui convient en matière de biome et à générer votre nouveau zoo pendant un mois. Terminez tous les scénarios de cette campagne pour débloquer la suspension finale. Et bah voilà, on va devoir gérer le zoo. On est parti. Petit chargement. Le propriétaire d'un petit zoo local s'apprête à vous remettre la direction de son établissement. Toutefois, avant de confier la responsabilité à ces animaux, il souhaite s'assurer. Il vous confie trois animaux que vous devez installer dans l'enclos qui leur convient. Okay. Chaque animal se trouve dans une caisse posée à l'entrée du zoo. Un panneau d'information indique le type d'animal qui se trouve dans la caisse au moment où vous le sélectionnez. Vous pouvez saisir la caisse et la manipuler comme n'importe quel autre objet. Pour libérer l'animal, cliquez sur le bouton sortir de la caisse que vous trouverez sur le panneau d'information. Une fois l'animal libéré, pour accéder aux autres onglets d'information pour en savoir plus sur lui. Vous devez déplacer et libérer dans l'enclos qui lui convient chaque animal ainsi emprisonné dans sa caisse. Afin de vérifier, vous pouvez appliquer les techniques de base, une tâche vous a été confiée. Vous allez gérer le zoo pendant un mois et assurer le survie des animaux. Conseil pour garder vos animaux en vie, vous devez les nourrir, leur donner à boire. Oui, quand même, un petit peu. Ok. Donc ici, on a quoi comme biome? C'est quoi ce biome ici? Bon, en tout cas, on a un enclos, un deuxième enclos et un troisième enclos. D'accord. Donc, ici, on a trois caisses. Ici, c'est le biome là. On va récupérer la caisse. C'est un lion, hein, donc on va le mettre dans la savane. Ici, on va le libérer. On va... Ok. On va lui donner à manger, hein, quand même. On va lui mettre de la viande. Un petit peu à droite, à gauche. Bonjour à la viande. Voilà. Beaucoup d'eau. Faut pas qu'il ait soif, hein, le pépère. Il faut... Alors, petite balle de jeu. On va faire la balle de jeu. Pendant ce temps, on va faire le deuxième animal. C'est un ours polaire. Bon, on va prendre... On va le mettre ici. Donc, on fait sortir de la caisse. Donc, là, l'ours polaire, lui, mange des poissons. Voilà, même pour dinosaures, je m'en fous. Tiens, là, de l'eau aussi. Et de la viande. Voilà. Et tu auras une petite balle aussi. Tu mets une petite balle. Et une petite balle. Alors, pour l'ours polaire, on va lui mettre son petit enclos dans son coin là. Voilà. Et pour le lion. Pour l'instant, qu'est-ce qu'il y a besoin d'exercice? Ouais. Tiens, hop. Il a besoin d'exercice, le pépère. Tiens, on va te donner. On va faire la recherche de ça. Pour l'instant, on va faire. Oui, non, il faut quand même un soigneur. M'en fous, animateur, paléontologue. Soigneur. Attends, une nouvelle tâche. Toc. Toc. Et toc. Voilà.
affectation 3, ça c'est bon. Et on va mettre quand même un agent d'entretien ici. Voilà. Et il nous reste le dernier petit. Alors, c'est quoi ça? Un hippopotame. Voilà, on va te mettre là l'hippopotame et on va te libérer. Vos animaux sont comme chez eux dans leur nouvel enclos. Il faut que je gère le zoo. Donc maintenant, pour le hippopotame, on va te donner ça. On va te donner à manger aussi. Bien. Hop. 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 La mangeoire. La laitue. Voilà. J'allais oublier ceci. Voilà. Ok. On ouvre. Donc, il faut gérer le zoo. Donc, on va y mettre quand même des toilettes. Là. Bon. Voilà, les toilettes, on a deux. On va mettre une boîte à dons, il n'y a pas. Un stand de hot dog juste ici, un stand de soda juste à l'entrée, marchand de bretzel juste là. Voilà. On va mettre une boîte à dons à l'entrée. Et ici. Et une là. Là. Ok. Un petit banc juste là, pas loin des toilettes quand même. Il faut des poubelles quand même. On n'est pas des sauvages. Toujours des poubelles pas loin des endroits où il y a de la nourriture. Voilà. Bon. Le lion, ça va le lion? Ça va le lion? Bon, ça c'est bon. Le ours. Le ours! Social, urgent. Je chasse? Acheter un animal? J'en ai pas un. Petit cadeau. Bon, le hippopotame, il est où là? Le peinard, et tout va bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut rajouter? Stand de soda.
Ah bah ça va, l'argent commence à rentrer. Oui. Il a eu des recettes quand même. Oui. Pas eu encore. Il coûte de l'argent plus qu'autre chose, lui, hein. Lui aussi. Qu'est-ce que c'est? Une carotte? Sauce brumeuse, c'est pour qui ça, les sauces brumeuses? Forêt tropicale. Tiens, on va faire la recherche de la sauce brumeuse. Ah bah c'est cool. Alors. On va aller voir le nounours de plus près. Hey, nounours! Baval! Coucou! Ah, nounours! Aussi, je peux le faire, hein. Ah, oui, je te peux faire. Hop là! Ok. Donc ça commence à rentrer. Ah, ça y est, lui il me rapporte de l'argent, le vendeur de bretzel. Lui il m'en coûte. Il n'y a rien dans la boîte à dents. Bah allô, qui vole? C'est où les stats déjà? Les gens. Il faut que je rajoute des endroits où s'asseoir. C'est ça qu'ils veulent déjà. On va mettre de quoi s'asseoir chez près de l'hippopotame. Et voilà. Voilà. Ouais. Ok. Marchand de Brazil, c'est bon. Oh, marchand de sucre d'orge. Ah bah voilà, on a terminé. Le mois s'est terminé.
J'ai fait tout. Voilà. Vous allez démontrer que vous comprenez que chaque animal a besoin de son propre habitat pour construire l'environnement d'un zoo. Ok. Et bah, on va jouer le scénario suivant. Voilà. Mais on verra ça la prochaine fois. Merci à tous d'avoir suivi. On fera la suite la prochaine fois. Ciao, ciao tout le monde!